ce festival sans nom. Je laisserai la parole à Luc et à Hervé après, qui vous en diront un petit peu plus sur le contenu de ce festival. Moi, je voulais simplement vous... Déjà, je vais me présenter. Je suis Rémi Posselier, je suis président d'Entreprises et Médias d'Alsace depuis 2 ans. Entreprises et Médias d'Alsace est une association qui est dans sa 14e année d'existence. Nous avons pour but, nous recevons tous les mois un invité ici au Mercure Gare. Donc c'est une association qui regroupe 180 entreprises, alors j'ai bien entreprises, c'est baptisé Entreprises et Médias. Nous avons des gens bien évidemment dans la communication, mais pas seulement. Je dirais que toutes les entreprises sont les bienvenues. Et puis il se trouve que dans nos membres, nous avons des passionnés, des passionnés de lecture, des passionnés de polar. Et donc nous avons décidé, je dirais en partenariat avec la librairie Bizet, que chacun connaît bien évidemment à Mulhouse, place de la Réunion, et avec le blog Passion Bouquin, que vous connaissez peut-être aussi, représenté ici par Hervé Veil et par Dominique Meunier, de créer ce festival sans nom. Donc avec l'appui de la librairie, qui a de très bons contacts, nous avons pu le remarquer avec l'ensemble des auteurs et des maisons d'édition, nous avons regroupé un plateau. Aujourd'hui, nous sommes à combien d'auteurs? 20... Bah écoute, un peu moins de 30 auteurs. Un peu moins de 30 auteurs. Alors au départ, c'est vrai que nous souhaitions être assez modestes, dans le sens où nous pensions avoir des auteurs français, bien évidemment. Et puis il se trouve que le festival va devenir quasiment un festival international, puisque ne serait-ce que par le parrain, Roger John Ellery, qui sera le parrain de cette première édition, et d'autres, auteurs allemands et auteurs islandais. Voilà. Donc ça nous donne une connotation internationale qu'on n'imaginait peut-être pas au départ. Voilà. Alors on a un super plateau, et en plus, on a des sponsors qui sont arrivés très très spontanément. Alors je remercie entre autres la SNCF qui est venue, alors c'est eux qui sont venus vers nous. Ils vont nous permettre d'avoir un train. Enfin, je pense que vous aurez le détail de toute façon dans le communiqué de presse. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que, sans quoi Luc et Hervé n'ont plus grand chose à dire. La ville de Mulhouse, qui nous soutient également. Le Mercure Gare, qui est aussi un partenaire très fidèle. Et puis de nombreux autres que vous allez découvrir dans le communiqué de presse, ou du moins sur le site internet. Alors, comme vient de le dire Rémi, nous avons un partenariat avec la SNCF. Et ce partenariat sera en quelque sorte le coup d'envoi du festival, parce qu'une quinzaine de nos auteurs partiront de Paris avec le TGV de 14h23 et arriveront en gare de Mulhouse à 17h. Alors à bord du TGV, il y aura une animation qui sera organisée par la SNCF sous forme d'énigmes. Il y aura des cadeaux à gagner. Les auteurs seront de temps en temps, donc ça sera, ils s'organiseront, ils seront en voiture bar pour signer des affiches et pour signer des bouquins. Il y aura 4 personnes d'Entreprises et Médias qui viendront accompagner les auteurs qui iront à Paris et qui les accompagneront jusqu'à Mulhouse. À l'arrivée en gare de Mulhouse, c'est pas fini, nous avons le théâtre de la Carambole qui va faire des petites scénettes une heure avant l'arrivée du train pour animer la gare, et la gare mettra aussi un espace polar bande dessinée à disposition des voyageurs, je crois qu'ils disent de leurs clients, ils disent comme ça SNCF, de leurs clients, et ils pourront désigner parmi les albums une BD qui sera lauréate. Donc ça c'est la première partie, donc c'est véritablement le coup d'envoi à l'arrivée en gare à 17h. En soirée au Temple Saint-Étienne, il y aura un concert de musique classique, un concert de l'Antiki Strumenti, si je prononce bien. Voilà. Donc, qui commencera à 19h, qui durera 1h, 19h à 20h, avec des lectures. Et le but de ce concert est de mettre en musique des compositeurs dont la vie présente un côté criminel. Alors, ou bien qu'ils se soient fait assassiner, c'est horrible, mais c'est comme ça, ou bien qu'eux-mêmes aient commis des crimes. Voilà, donc ce sera ouvert au public et l'entrée sera libre. Donc ça c'est pour le programme du vendredi. Concernant le samedi, donc là, c'est là que se déroule donc le cœur de la manifestation, qui se déroulera à Place de la Réunion à Mulhouse donc.
autour de trois lieux principaux. Donc la salle de la Décapole sera ouverte de 10h à 19h, où les auteurs seront en dédicace. Donc c'est l'articulation classique d'un salon du livre où les gens sont là pour dédicacer les bouquins. Donc nous on va au-delà de ça, c'est pour ça qu'on a appelé ça un festival. On veut que les auteurs puissent bouger d'un lieu à l'autre. Donc les deux autres lieux seront dans un premier temps la librairie Bizet, où toute la journée il y aura des interviews croisées d'auteurs. Donc ils seront interviewés par deux, à chaque fois une demi-heure, et pour, donc entre des dédicaces, et le Temple Saint-Étienne qui sera le troisième lieu où il y aura des tables rondes. Donc vous pouvez vous diriger sur le site pour voir les différentes tables rondes qui sont animées. Donc il y aura Polar et Justice, Polar Univers Carcéral, Polar et Journalisme. Il y aura Polar Religion qui clôturera l'événement et il y aura une interview d'une heure du parrain, donc Roger Évory. Entre chaque table ronde, il y aura un orchestre de jazz qui fera l'animation, jazz et polar, ça se marie bien. Autre animation, place de la Réunion, la police viendra installer une scène de crime. Donc il y aura des policiers et la police scientifique et qui feront des démonstrations au public. Il y en aura plusieurs dans la journée à différents horaires. Là encore, je vous renvoie sur le site internet où les gens, on pourra se familiariser avec une scène de crime, savoir comment on relève les empreintes, savoir ce qu'il faut faire, pas faire. Enfin, la police est assez enchantée de faire ça. Apparemment, ça les amuse beaucoup. Il y aura également le bibliobus qui servira de point d'accueil pour le public. Le bibliobus est mis à la disposition par la M2A, hein, et donc sera rempli de polars pour l'occasion. La troupe de théâtre de la Carambole donc, continuera son animation sur la place, fera des interventions pendant les tables rondes, donc ils nous font la surprise, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire. Ça, voilà, ils vont peut-être tuer quelqu'un, enfin, on ne sait pas exactement, on leur fait confiance. Et les auteurs donc vont se balader, vous l'avez bien compris, et ils seront aussi au restaurant Les Archives, de temps en temps, à boire un verre, à discuter avec le public, enfin ils seront très très disponibles, ça sera quelque chose de très convivial, j'imagine. Donc voilà pour la journée du samedi. Hein. Le samedi soir, les auteurs se retrouvent tous au Gambrinus, ça faut le savoir, donc là ce sera assez rentrée libre évidemment, pour le Gambrinus, mais on aura un espace réservé où on fera la fête, et on espère même que notre parrain Roger Lory, qui est un musicien émérite, qui a d'ailleurs un groupe de rock qui s'appelle The Whiskey Poets, donc il y aura une guitare à disposition, on espère qu'il nous fera un petit bœuf. Donc ça sera le soir au Gambrinus à partir de 20h à peu près. On clôturera le festival le dimanche, en matinée, alors en matinée réelle, le matin, pas en matinée en termes de théâtre ou de cinéma, au Cinéma Palace, où sera projeté un film, et le film c'est Une affaire d'État d'Éric Valette avec André Dussolier et Thierry Frémont. Pourquoi ce film? Parce qu'il est tiré du roman Nos fantastiques années fric de Dominique Manotti, qu'elle a écrit, qui est sorti en 2003. Dominique Manotti fait partie de la programmation du festival. Donc la séance aura lieu à 11h15 au Cinéma Palace. Là par contre, bon, le public est convié évidemment, mais la place est payante. Ce sera le prix du dimanche matin à 5€. Voilà. Pour les journalistes, c'est pas un problème. Voilà, et donc à l'issue du film, il y aura une petite table ronde avec l'auteur. Et puis, ça clôturera cette première édition du Festival Sans Nom. Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi on appelait ça le Festival Sans Nom? Non. Donc il y en a qui le savent, donc c'est tiré du livre Sans Nom, qui est un livre qui est paru chez Sonatine, dont l'auteur est anonyme aussi. Et Sonatine nous a gentiment laissé l'autorisation d'utiliser ce titre pour notre festival. Donc le héros du livre Sans Nom est le Bourbon Kid, qui a tendance à s'énerver un petit peu quand il boit trop de bourbon. Et donc vous avez ici des t-shirts qui seront commercialisés aussi pendant le festival. C'est Ellery qui est un des gros auteurs de polar actuel, qui a publié en France 4 romans aux éditions Sonatine.
qui par la suite ont été publiés en livre de poche. Il s'agit tout d'abord de Seul le silence, qui a été bardé de prix, puis de Vendetta, des Anonymes et Les Anges de New York. Voilà, donc quatre très très bons romans qui remportent un gros succès auprès du public et qui sont reconnus pour la qualité de leur écriture. Alors on poursuit sur l'international, puisque autre auteur étranger, il y aura l'auteur islandais Árni Thorarinsson. Alors c'est un des gros auteurs du polar islandais, qui a publié aux éditions Métayer trois romans pour le moment: Le Septième Fils, Le Dresseur d'Insectes et Le Temps de la Sorcière, et qu'il vient d'en publier un nouveau. C'est des romans qui se passent tous en Islande, donc vous connaissez un peu le polar nordique, qui a contribué au regain de la lecture du polar en France, en particulier par l'intermédiaire d'auteurs comme Henning Mankell, le Suédois, et de Stieg Larsson, le Suédois également. Et là je vais citer un Islandais, Indridason, qui est Islandais. Donc ça, ce sont les trois gros auteurs, dont un est mort, Stieg Larsson, dans des conditions mystérieuses, après la publication de du troisième volet de Millennium. Et nous aurons le plaisir d'accueillir, donc par l'intermédiaire des éditions Métayer, Árni Thorarinsson, qui viendra au demeurant avec Eric Bourri, qui est son traducteur, et qui est également traducteur d'Indridason et de tous les grands auteurs islandais de polar. Troisième auteur international, et qui est un petit peu la cerise sur le gâteau et la bonne surprise de cette dernière semaine, puisqu'on ne l'avait pas prévu, mais on a eu un coup de fil d'Actes Sud la semaine dernière, ou une dizaine de jours, qui nous disait: voilà, je suppose que votre programmation est bouclée. Alors là, j'aurais dit, ben ouais, ça approche quand même. Ah oui, mais écoutez, on aurait quand même un truc. Nelly Neuhaus, qui est la grande auteure de polar allemande, a vachement envie de venir au festival. Est-ce que vous pensez que ça peut coller encore? Alors évidemment, on a tout de suite dit oui. Nelly Neuhaus, qui est l'auteur entre autres de Flétrissure et de Blanche-Neige doit mourir, aux éditions Actes Sud. Donc ça, c'est une grosse auteure de polar. Elle n'est pas grosse, hein, mais elle est très jolie au demeurant. Mais elle viendra au festival sans nom. Alors, donc là, on a parlé des trois étrangers. On peut parler des auteurs français qui seront là, qui ont tous répondu vraiment très spontanément et immédiatement, grâce au bon rapport qu'on avait avec leurs éditeurs et parce qu'on en connaissait déjà un certain nombre. Alors je vais les citer, je ne vais pas rentrer dans le détail des bibliographies de chacun, ça aussi vous pourrez les voir sur le site. Mais il y a Ingrid Astier pour les éditions Gallimard, Anne Lorquer pour les éditions Métayer, Fabrice Collin pour Sonatine, Marc Fernandez, qui a publié quelques petits textes de polar, mais qui est le rédacteur en chef de la revue Alibi, qui est la seule revue française, ce qu'ils appellent le MacBook, consacré intégralement à l'univers du polar. Dinis Galos, alors ça c'est un drôle de nom, mais qui a publié un premier polar qui s'appelle Gokan au Cher Schmitty, et qui est le traducteur du livre sans nom, et de toute la déclinaison du livre sans nom, L'œil de la lune, Le cimetière du diable et Le livre de la mort. Nick Gardel, qui est un auteur régional, hein, mais qui a écrit un poulpe et qui a publié pas mal de polars qui sont vraiment très chouettes. Karine Giebel, hein, que vous connaissez certainement, qui a été bardée aussi de prix, qui s'est fait un peu une spécialité de l'univers carcéral, donc qui participera à la table ronde autour de l'univers carcéral, et qui vient de publier chez Fleuve Noir Juste une ombre, très très bon roman noir. Marcus Malt, alors là on a un petit béguin particulier pour, enfin moi personnellement, parce que je pense que c'est un des plus grands écrivains actuels, et qui publie donc chez Gallimard, et qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir à deux reprises à Mulhouse, deux ou trois reprises, et qui évidemment voulait en être, donc il sera là, il vient de la région toulonnaise. Dominique Manotti, dont Hervé vous a déjà parlé tout à l'heure, puisque c'est elle qui est à l'origine du film Une affaire d'État, et donc qui est la chef de file du polar réaliste, sociologique réaliste, et qui publie chez Gallimard. Elsa Marpeau, de chez Gallimard aussi, Gallimard La Série Noire, jeune auteur qui s'était fait remarquer par Les Yeux des Morts et qui a publié entre-temps un deuxième roman qui s'appelle Black Blocks et qui va publier au moment du festival L'Expatrié. Karim Misquet, qui a eu le prix du Polar de 2012 pour son roman Arab Jazz,
Lui, il est documentariste, mais il est également romancier, donc c'est son premier roman, chez Viviane Ami. Jean-Paul Nozière, qui est un des gros auteurs de polar également, qui a publié pas mal de littérature jeunesse et qui a fait aussi beaucoup de polar, qui lui nous vient par l'intermédiaire des éditions Palio Rivage. Jean-Hugo Bell, qui nous vient aussi par l'intermédiaire des éditions Palio Rivage, qui est aussi un gros auteur de polar, qui est aussi scénariste, cinéaste et qui était entre autres chef opérateur pour, certains films de Roman Polanski. Donc il prendra aussi la parole au moment de la table ronde autour d'une affaire d'État. Serge Quadrupani, qui est connu pour ses polars, entre autres Saturne, qui a été publié aux éditions du Masque, qui est un très 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 bon polar, et qui est également le responsable de la bibliothèque italienne des éditions Métayer. Il y aurait également, alors là aussi, grand nom du polar, puisque c'était un des anciens historiques directeurs de la série noire, Patrick Reynal, qui vient de publier au service secret de sa sainteté, l'édition de Les Cahiers, voilà. Dominique Sigaud, qui est journaliste et auteur de polar, qui a publié Contes d'exploitation, entre autres, chez Actes Sud, et pas mal de bouquins chez Gallimard également. Dominique Sylvain, que vous connaissez aussi, qui nous vient par l'intermédiaire des éditions Viviane Ami, et qui est une des grosses auteurs des éditions Viviane Ami, qu'on a déjà eu l'occasion d'accueillir en Limousin, qui est une femme superbe et tout à fait passionnante. Je disais donc Arnitor Harrison, Olivier Truc, qui est le correspondant du Point et du Monde à Stockholm, c'est ça, et qui a publié un premier polar aux éditions Métayer qui a fait vraiment fureur, qui s'appelle Le Dernier Lapon, qui est un polar absolument excellent. Autre auteur régional, Julie Weckerly, qui a été récompensée pour Le Bras du Diable aux éditions des Nouveaux Auteurs par le prix VSD du polar. Et enfin, Lali Walker, qui est aussi une grande auteure de polar, qui publie entre autres chez Actes Sud, et qui est pédopsychiatre, etc., et grand auteur de polar. Et je n'oublie évidemment pas Nelly Neuhaus, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui fait partie des auteurs internationaux et qui publie en France aux éditions Actes Sud. Alors, juste pour arriver à un petit peu moins de 30 auteurs, j'aimerais quand même citer des auteurs qui seront cités également sur le site internet quand la dernière mouture sera mise à jour. Il s'agit évidemment des auteurs qui participent aux tables rondes chez nous. Je pense à Jean-Henri Storkel, je pense à Jacques Fortier, je pense à Philippe Aubert, qui sont des auteurs ou des personnalités locales, des journalistes entre autres, ou pasteurs pour Philippe Aubert, qui ont également publié des polars, donc qui connaissent un petit peu cet univers noir. Alors pour finir, donc là je vous ai listé un petit peu les auteurs, j'aimerais juste rappeler donc les éditeurs qui nous ont appuyés et fortement appuyés pour l'organisation de cette manifestation, donc pêle-mêle, Sonatine, Métayer, Viviane Ami, Palio Rivage, Gallimard Série Noire, Le Cherche Midi, Fleuve Noir, Le Masque et Actes Sud. Voilà donc la plupart des gros auteurs de romans policiers. Voilà, alors l'idée de cette manifestation, donc Rémi vous l'a donné, Hervé rappelait son déroulement, c'est aussi une manifestation qui a été pensée avec et pour les auteurs de romans policiers. Ils n'avaient pas envie de tomber dans un salon conventionnel du polar, ça c'est les Zébraires, et ils avaient envie de passer un moment festif et vivant autour du roman policier, et c'est le pari qu'on a pris pour l'organisation de cette manifestation et de cette première. Merci beaucoup.